Bonjour, quelques jours avant Noël, les enfants de l'école Jeanne d'Arc de Maubourguet s'apprêtent à vivre leur célébration de Noël. Je vous propose d'aller voir comment ça se passe. Une étoile brille infiniment pour le sauveur de l'humanité. Noël ouvre un chemin, c'est une espérance infinie. Ce petit enfant qui nous vient parmi les pauvres dans la nuit. C'est une célébration qui a été préparée sur 12 jours, les semaines de l'Avent. Donc chaque jour, dans chaque classe, les enfants donc découvraient un personnage de la crèche. Avec une petite prière, et nous avons dans chaque classe donc fait tout ce chemin de l'Avent sur un sapin, sur des boules, et ça, on a finalisé donc avec la célébration à l'église. Est-ce que les enfants sont réceptifs à ce message de Noël, de l'évangile de Noël ? Oui, avec beaucoup de difficultés chez les tout-petits, comme vous devez vous en douter. Mais bon, c'est vrai que les enfants ont bien participé et ont été très sensibles à tous ces préparatifs, en fait. Et puis, étaient ravis de venir présenter donc, leur célébration dans l'église. On a senti beaucoup de joie, d'enthousiasme. Il faut dire qu'ils sont bientôt en vacances, c'est bientôt les vacances de Noël. Ça compte aussi, ils sont un peu excités. Mais c'était important, il y avait la présence de l'abbé Montagnol, donc le curé de Maubourguet. Pour les enfants, c'est important, ça aussi. Tout à fait, et c'est pour ça qu'aussi souvent que possible, on célèbre donc nos célébrations dans des grands moments liturgiques à l'église en présence du prêtre de la paroisse. Donc c'est-à-dire qu'à Pâques, les enfants reviendront à l'église avec pour un temps de prière avec le curé. Oui, c'est ce qui est prévu. Merci Christiane. Je vous remercie beaucoup.